Hello. Bonjour, mon nom est Leonidas Giannakopoulos, je viens de Grèce. Je suis un artiste plasticien et ma spécialité est la peinture murale. J'ai démarré très jeune en peignant des graffitis dans les rues d'Athènes et en Grèce de manière générale. Mais je voulais devenir professionnel en grandissant. Donc j'ai décidé d'étudier à l'école des beaux-arts d'Athènes la peinture, la sérigraphie, le dessin et d'autres disciplines. Dans mon travail, j'ai plein de références différentes. J'essaye de combiner différentes choses que j'aime beaucoup, peut-être de l'histoire de l'art, de la photo vintage, et beaucoup d'autres influences qui m'ont marqué. J'essaye de faire de bonnes combinaisons dans mes compositions et de créer des univers de fantasy avec peut-être aussi une touche de rétrofuturisme. Je suis très heureux d'avoir été mandaté par la ville de Mons pour faire une œuvre ici, à Mons, la thématique s'axe sur le Mondanéum. Cela parle de l'histoire et des archives et de toute l'imagerie autour du Mondanéum. Dans mon fil rouge, j'essaye toujours de créer des univers qui semblent peut-être réalistes, mais qui ont aussi une touche de surréalisme et d'utopie. J'essaye de combiner des choses de la vie courante avec mon imaginaire et ainsi inviter les spectateurs au voyage. Je suis vraiment ravi parce que c'est ma toute première fois en Belgique. J'y ai rencontré des gens très intéressants et Mons est une ville très artistique. J'ai vu ici de très bonnes œuvres à travers la ville, dans les musées, dans les lieux publics, via l'art urbain. Et je pense que c'est bénéfique pour moi de laisser une de mes œuvres dans une ville qui aime vraiment et soutient l'art.